trouvons. Juste à la limite. Donc, on est reparti. Alors, il fait un peu jour. Il fait déjà un peu jour. Donc, on va voir. Nous sommes à 34 kilos, c'est très bien. Je crois que nous avons du bois sur nous. Ok, cool. Donc, le but... On risque peut-être même de prendre le... comment ça s'appelle? Le charbon. Le charbon qui est à l'extérieur. Donc, le... aujourd'hui, notre but... Il fait froid quand même. Ah, c'est chiant. Hop. Ça, c'est bon. Eau non potable. Ça marche. Alors. Ok, il est là-bas. Très bien. J'espère que c'est celui-là qui se balade autour de chez nous. Alors, nous devons aller chasser le cerf, absolument. Nous devons absolument chasser le cerf et récupérer de la viande. Par contre, il fait un peu froid. -18. -18, un peu chiant. Ok, on a du loup là. On a du loup sur... Silence! Merci. Ah, il est là. Je viens de le voir. Okay, très bien. Ah non, t'es sérieux? On était aussi proche que ça? Je pensais vraiment pas qu'on était aussi proche. Merde, je l'entends plus. Je le vois plus. Ah si, il est là. Oh, il y en a deux! Ouh, on va les pousser encore vers le camp. Il y en a deux. Ce serait vraiment bien du coup. C'est parfait. C'est parfait, parfait, parfait. J'en vois qu'un seul. Oh, il est rentré à l'intérieur. Il y en a un. Il y en a un qui est dans notre camp, c'est bien. Alors, ce qui serait bien à la limite, c'est qu'il se fasse attaquer par le loup et comme ça on tue le loup. On ferait une pierre de coup. Ok, très bien. Ok, très bien. C'est pas la meilleure des... le meilleur des endroits, mais... C'est pas le meilleur des endroits, mais bon, c'est bien, ça va. C'est bien, c'est bien. En espérant qu'il n'y a pas de feu et tout ça. Ce qu'on va faire en premier, c'est vraiment prendre la viande. Et après, on se casse. On se casse si jamais le temps est mauvais. Merci. Je pense qu'on devra faire un feu assez chaud. Je crois pas que ça soit... Ah si! Ça va. Ça va, ça va, ça va. On va voir un peu le temps. Okay, on va prendre les plumes.
très bien, on est bon, on est bon. On est très très bon même. Oh, je suis content. Ok, 2 heures. Okay. Je suis en train de me dire, on va peut-être utiliser le couteau, non, pour aller plus vite. Parce que... on va peut-être pas lésiner sur les moyens, là. J'ai un peu peur que le temps se gâte. À 27 minutes. Ok, on est bon pour le moment. On a encore 2-3 heures de feu. Donc là, maintenant, on peut peut-être ralentir un peu. Ok, très bien. 9 minutes. Ok, tant que le temps ne change pas, on est bon. Tant que le temps ne change pas, on est très bon. Ah, ça va mieux. Hein. Ça va nettement mieux. En théorie, le loup devrait pas venir, il y a le feu. On va attendre que ça se finisse. Ah, je suis content. Je suis vraiment très content là. Là c'est bon. Dès le début, hop, on a récupéré un cerf. Heures, c'est bien. Ah ouais, non, là c'est vraiment bien joué. Faudrait, avec de la chance, si le temps ne bouge pas et que tout se passe bien, on peut tout récupérer. Ça vaut vraiment cool. Un peu juste là, ça va. Il a eu peur du feu. En théorie, on devrait pas avoir de problème avec le loup. Il faut pas qu'il y ait de vent, parce que s'il y a du vent qui éteint le feu, parce qu'il y aura des problèmes, mais là, normalement, on devrait être bon. Très bien, très bien. Et on va récupérer la peau. Ok, on est bon. On a encore 2 heures de feu. Au final, on va peut-être pouvoir faire cuire toute la viande. Ce serait vraiment bien. Ce serait vraiment bien si on arrive à faire ça. J'entends du bruit. Juste derrière la maison, donc on en profite. On va directement poser la peau. Ah bah là, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire à part que... Bah youpi. Qu'est-ce que je veux que je vous dise? Youpi, youpi. Le tissu là, on va prendre le tissu. Ah oui, non, là c'est... Waouh. Des fois, hein, comme ça, des fois, ça... Vous êtes un peu étonné, hein. Tout se passe bien. Là, on a bien poussé le cerf chez nous. On est tranquille. Le temps est bon, honnêtement, le temps est bon. On avait assez de bois pour faire un feu qui était sympathique. Donc tout s'est très bien passé.
Ok, on est bon. Voilà. Je suis en train de me dire, on va peut-être prendre ça aussi. Comme ça, on prend vraiment toute la viande. Par contre, c'est quoi ça? Qui fait le bruit? Le vent se lève. Deux minutes. Neuf minutes. Ah, ça y est, le vent. Le vent est trop fort. Le vent est trop fort. Bon bah je crois que c'est fini. Je crois qu'on va rentrer. Très bien, on rentre. Donc le vent a l'air d'être... Enfin le temps a l'air d'être un peu froid. Je sais pas si on va... Si on va rester, si on va essayer d'explorer un peu plus que ça à l'extérieur. Je pense pas, honnêtement. Je pense pas. Il me dit pas qu'il est juste là, le... Ah si, juste là, ce con. Très bien. Voilà. Qu'elle a à mettre là la viande. Un peu dans le désordre, j'aime bien moi quand c'est... C'est organisé pour être dans le désordre, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On a des gros steaks, hein. On a des très gros steaks. Hein. Ça c'est vraiment vraiment cool. Fait froid ou pas? Ouais, fait froid. Alors je suis en train de me dire peut-être qu'on devrait rentrer à l'intérieur et commencer à casser des caisses tout simplement. Comme ça, ah, quoique le temps vient de se calmer. Comme ça, on récupère du bois. Je dirais que ça pourrait être pas mal de faire ça. bon après, bon, le truc c'est que, oui, il est presque déjà midi. On n'a pas fait grand chose. On n'a vraiment pas fait grand chose. Enfin, quoique, honnêtement, on est bon pour plusieurs jours de viande, donc... On peut le faire à la main. Hop là. Très, très bien. On va déposer le bois. Que 10, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Très bien. Hop là. Ah, il fait pas froid. Let's go. Il fait pas froid, c'est le moment de se faire un autre cercle.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va essayer de le pousser vers la... vers chez nous encore. Enfin, on n'a pas vraiment besoin de le pousser, mais... si jamais on le loupe comme ça, il ira vers chez nous. Très bien. T'es où, t'es, tu vas où, tu vas où? Est-ce que t'es rentré? Je le vois pas. Je le vois pas. Il est rentré ou il est derrière la... la... quoi? T'es sérieux? T'as un cerf à côté et tu viens me faire chier moi? C'est quoi ce gros foutage de gueule? C'est quoi ce foutage de gueule? Putain, je pensais qu'il allait... je pensais qu'il allait attaquer le cerf et comme ça on pouvait le tuer. Quelle merde. Alors le cerf, il est allé où maintenant? Saloperie. Saloperie qui a gâché notre repas. Il est peut-être allé attaquer le cerf. Peut-être. Alors du coup on va faire ça. Pas quelque chose là. Ok, du coup nous on va faire ça. Ça va être un peu risqué parce qu'on risque de tomber nez à nez avec le loup. Ok, c'était une mauvaise idée. On va passer par là. On va passer, on va faire le tour. Mais on a vu le cerf et le loup. Alors ça serait vraiment bien qu'il l'attaque. Comme ça nous on arrive et bam dans la tête. Le loup. Bam bam bam. On va passer par là. Alors on a une carcasse de cerf, mais est-ce que c'est celle-là? C'est celle-là qu'on a cuite ou pas? Il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas de bruit, donc je pense qu'il l'a eu. Mais ils sont allés où, c'est quoi? Ça c'est le... j'entends un bruit. C'est vrai qu'il peut... ils sont où, c'est quoi? Il est en train de le bouffer.
doit être là-bas. Il est en train de le bouffer, putain, mais il est où? Je le vois pas. Faut pas qu'il bouffe toute la viande. Il doit être pile devant moi, là. Très bien. J'espère qu'on a... qu'on était assez rapide. Ok, 7. Ça va, ça va. Ça va. Putain, on prend tout. On va faire beaucoup. Ok, très bien. On n'a pas très froid, ça va. Ah, la vache. On a perdu... c'est quoi, 9 kilos le maximum dans un cerf? Ouais, 9 kilos. On a perdu 2 kilos, 2-3 kilos, je pense, de viande. Bon, c'est pas... c'est pas énorme, mais on a fait une pierre 2 coups. Il y a eu un cerf et un loup, du coup. Donc ça, c'est bien pour nous. Non, non, ça va, c'est très potable, c'est très très potable. C'est pas grave. C'est pas très grave. Voilà, là on est bien. Là on est très très bien. Ouh, c'était un peu... faut bien l'écouter parce que vous voyez qu'il y a un son bien précis hein, quand ils sont en train de manger. Donc c'est comme ça qu'on l'a repéré. Vous avez vu que quand on est sorti, par exemple, là, la porte, elle est comme ça devant nous, là. Le cerf était parti vers la gauche, le loup vers la il était à notre droite. Puis au final, ils sont sortis, en fait, de l'enclos, là, du grillage. Ils sont allés vers la droite. C'est un peu le bordel, quoi. Pour les retrouver, je veux dire. C'était un peu la panique pour les retrouver. Mais on les a retrouvés grâce au son. Ok, cours. Il y a notre loup. Toujours, toujours, toujours se mettre accroupi. Toujours se mettre accroupi si vous êtes en train de découper de la viande et tout ça. Toujours le faire. Toujours le faire. On fait le tour s'il commence à faire nuit et le coup des câbles électriques. Oh mon dieu, quoi, il a failli nous sauter dessus. Lui. Il a vraiment failli nous sauter dessus. Oh la vache, le truc, quoi. Voilà, parfait. On a tout ça à cuire, on a la viande de loup en plus, et tout ça pour dire que c'est même pas fini, on a encore un loup qui traîne, quoi. Ça fait beaucoup quand même, ça fait beaucoup. Alors on va couper du bois. Il fait un peu froid à l'extérieur. Je voudrais bien couper des caisses à l'extérieur, là, tout ça, là. Mais il fait trop froid.
On va rester à l'intérieur, on va casser des caisses. Et puis je crois qu'on va dormir directement. Si on casse quelques caisses et on va dormir parce qu'elle est fatiguée vu qu'on a, on a un peu sprinté pour attraper les loups et tout ça. Donc je me dis à la limite on va... Oh! Cool. Je me dis à la limite on va peut-être dormir et demain on va continuer l'épisode parce que bon on n'a pas beaucoup de... On n'a pas fait grand chose au final. Et demain on fait du feu et on... Ouais, on fait du feu. Quoi. Ah, très bien. Il faudrait qu'on... fasse ça. Très bien. On va rentrer. On va détruire notre flèche. On... Est-ce qu'on fait des flèches maintenant? Non, quand on en aura que 5, on fera des flèches. Quand on en aura que 5. On a combien en arc? On est presque niveau 5. Ah bah ça va, on va passer niveau 5 très très prochainement. Très très prochainement, on passera niveau 5. Et je pense que... Avec de la chance, on passe le niveau 4 avec tout ce qu'on a à cuire. Je pense. Je pense. Du coup, le truc de Fayot. Là. 45%. 45%, c'est pas top. Il y a des trucs encore? Oh, mais c'est énorme! Mais faut casser toutes les boîtes! T'es sérieux? On vient de trouver un stimulant, quoi. Mais c'est... C'est énorme! Ah, c'est super! Stimulant, c'est genre une deuxième vie, quoi. Non, on voit rien du tout avec ces rafraîches. Waouh. Très très sombre. C'est très 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 sombre. On va faire ça. Ok. Putain, je vois qu'il y a rien du tout. On prend ça, on prend ça. On a plein de bois du coup, donc demain on fera le feu. On a de l'eau, on va aller dormir. On va aller dormir. Ah, j'ai envie de voir si on peut pas casser d'autres caisses. D'autres caisses qui seraient intéressantes en fait. Genre pas des caisses en hauteur, mais genre des caisses par terre peut-être. Il y a une chance d'avoir des objets dedans. On va aller dormir, on mange ça. Voilà, très bien. On va boire. Ah, qu'est-ce que je suis tellement content, ça se passe bien. À la limite, c'est un peu bête qu'on ait dû manger les massettes. C'est vrai qu'on en a mangé une quinzaine, peut-être une vingtaine. Et on aurait pu les garder de côté. Mais bon, au final. Hein. Au final, hein, c'est pas si mal. Ça nous a permis de garder ce bonus. Donc maintenant, on va faire que le feu. Je pense qu'on va faire que le feu. Alors, je sais que c'est pas méga, méga intéressant. Mais. On est un peu obligé de le faire. Alors on va voir ce qui se passe. On va voir comment ça se passe. Genre, quelle caisse pourrait contenir des choses? Celle-là. Non. Non. Celle-là, non. Celle-là n'avait rien du tout.
Alors, est-ce qu'il fait froid? Il fait un peu froid. À chaque fois de loin, je crois que c'est des petites brindilles, mais en final, non. Ouais. On va faire le. Non. Quoi? Ah, 12. Je crois qu'il y avait écrit 57 pour je sais pas quelle raison. Du coup, on fait du feu maintenant, on cuit tout ça. On a énormément. Ouais, on a énormément. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est parti. On va peut-être prendre celle-là. Et après, comme d'habitude, s'il faisait jour, genre une bonne lumière, on pourrait complètement utiliser la loupe hein, au lieu des allumettes. Donc voilà, on pourrait faire ça à la place aussi, ça peut aider. Mais bon, là on est un peu... On est un peu dans la nuit apparemment, même la journée il fait sombre. Il n'y a pas de lumière. Le charbon, on va le jeter au final. Enfin, on va le mettre là. Après, c'est pas le meilleur endroit pour le feu. Parce que c'est vrai qu'il est juste à l'entrée de la porte. C'est pas 42 minutes, 30 minutes, ok, ça va. C'est pas le top, hein, mais bon. On va dire que... Très bien. Avant de partir, on va faire ça. Voilà, on se réchauffe tranquillement. On se réchauffe tranquillement, sans problème. C'est comment, c'est combien de temps pour faire les flèches? Non, à 30 minutes, c'est combien de temps pour faire les flèches? C'est une heure, je crois. À chaque fois, je m'en rappelle plus. Je crois que c'est 40 minutes peut-être. Pourquoi je me mets là en fait? C'est vrai que pourquoi je mets les objets là? À chaque fois, je pense que c'est une table. Tout ça, mais en fait, non, la table elle est là. Une heure et demie. Ah ouais, quand même. Je suis chier. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois je mets les trucs ici, mais en fait non, hein, c'est faux hein, ce que je fais. Attendez. C'est complètement faux. C'est vrai que ici on n'a pas trop de. Enfin, maintenant je suis en train de me dire ah ben je comprends pourquoi je mets les choses là-bas parce que bon ici c'est un peu la merde hein. C'est un peu la merde pour placer les objets. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. C'est très bien comme ça. À une heure et demie pour faire une flèche. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. On va voir qu'on aura passé le premier. Là. 8 minutes, 11 minutes. On va voir l'extérieur. On va prendre les charbons là.
Ah, c'est le feu qu'on entend. Faut qu'on aille voir pour les plumes là. Bien. On a besoin de manger ou pas non, ça. Là combien, 30 minutes, 40 minutes. Ok, c'est parti. Quoique c'est un peu dangereux d'aller de ce côté-là. Il y avait un loup. Non, on va monter la branche, là, comme on a fait tout à l'heure. Bah, c'était quand même stylé, hein, je veux pas dire, mais... Je veux pas dire, mais c'était quand même plutôt stylé. D'avoir fait ça, non ? Là-bas, il y a un rocher pour une corde. Strictement rien, c'est cool. Je dois bien peut-être récupérer des massettes. Ah, fait chier. On va faire le tour. Il y a un truc que je voudrais faire aussi, c'est abattre l'ours. Je voudrais vraiment abattre l'ours. Donc, je sais pas trop encore comment on va faire ça. Mais avant de vadrouiller plus loin là, il faudrait d'abord cuire tout ce qu'on a. Donc, j'ai entendu un aboiement, non? Non, je crois pas. Genre cuire tout ce qu'on a pour qu'on passe niveau 5 déjà. Et surtout. Surtout quoi? Oui, non, après je voudrais tout simplement oui, abattre l'ours, récupérer sa peau en fait. Comme ça on peut tais-toi. Comme ça on peut prendre la peau. Je voudrais vraiment récupérer la peau de l'ours en fait. On va rentrer. Et une fois qu'on aura fait l'ours, on se casse, on va dans les montagnes là-bas. Vous avez vu qu'il y avait un pont là-bas? Donc on va franchir le pont et on va essayer de trouver le manoir dont je parlais. Donc c'est ça que j'ai envie de faire en fait. Je veux d'abord qu'on fasse l'ours. Comme ça la peau on va la laisser à la réserve. Et le temps qu'on fasse tout le tour, il y a plusieurs jours qui vont se passer honnêtement, parce qu'on va faire des arrêts et tout ça. Puis on va rester sûrement dans le manoir là. Et du coup la peau sera prête peut-être avec de la chance. Parce que vous savez que les peaux d'ours ça prend énormément de temps. Les peaux d'élan ça prend énormément de temps aussi. Et après on pourra crafter... Qu'est-ce qu'on voulait faire en ours? Ah oui, le sac de couchage. Le sac de couchage en ours. Qu'est-ce qu'on veut faire?
Ah, et il nous faudrait aussi un deuxième élan. Un jour, ça viendra, parce que de toute façon, les élans, ça court pas les rues. Il nous faudra un élan pour qu'on fasse la cape. La cape, et on mettra cape et manteau en peau d'ours. Du coup, on sera extrêmement résistant, genre imperméabilité sera au max et tout ça. Ça va vraiment nous aider. Vingt-quatre minutes? Oh. Voilà. Voilà, très bien. On a encore un feu de 6 heures. Très bien. Peut-être prendre une bouteille d'eau. Va falloir qu'on fasse un peu plus d'eau, je dirais. Ouais, j'irais plus d'eau. On est à 37. Pourquoi on est à 37 kilos? Ah, c'est le bois qu'on a récupéré? Oui, bois, massette. Enfin, c'est pas lourd les massettes. Un truc, c'est qu'on n'a pas trop de champignons au final. On peut en avoir dans des endroits un peu plus précis, un peu plus éloignés peut-être. Un truc que je voudrais faire aussi, mais je sais pas si on va pouvoir le faire. 1h30. Ça va trop. Non, vu qu'on a le feu et tout ça, non, on va pas le faire. Mais il fait pas très froid, donc on pourrait vraiment scier du bois. C'est une chose qu'on pourrait faire. On va s'aventurer un peu plus loin. Faut faire gaffe parce que on arrive dans le territoire un peu de l'ours. On va aller voir là-bas. On va aller voir la cascade. Je sais pas si on peut passer là. Non, bah non. On va un peu sprinter parce qu'elle est pas fatiguée. Ah, là, il y a plein de bois. On va en prendre pour quand on revient. On va regarder ce qu'il y a là. Oh, corde. Ok. Ok, ok. On pourrait mettre une corde ici. Alors je sais pas. Je sais pas si ça nous aiderait vraiment. J'ai vu qu'il y avait des corbeaux. Donc il y a peut-être un cadavre avec des objets rares. Ou alors une carcasse. Ok, on va rentrer. Bon, encore une belle journée pour le moment. Ok, celui-là, celui-là qui vient de gueuler, là, c'est sûrement celui qui garde le lac. Ouais, encore une belle journée, honnêtement. Ça va, on avance doucement. On fait cuire et tout, on a de la viande de côté, on est toujours en positif pendant les calories, enfin pour les calories pardon. Notre vie est bonne, notre eau est bonne.
On est un peu obligé de stagner en ce moment. J'aurais bien voulu déjà vadrouiller. Mais on est un peu obligé de stagner à cause de la nourriture. Mais ça va s'arranger. Ça s'arrange. Hein. Ça s'arrange petit à petit. Donc, ouais, non, non, on est très très bon. Très très bon. Je serais content. Vraiment content. Demain, on ira peut-être... Ça va être un peu chaud. Quoique après, on peut simplement aller... aller récupérer le... la peau, en fait. Je suis en train de me dire, en fait, par rapport au... par rapport à l'ours. On pourrait peut-être aller se faire l'ours. Demain. Peut-être. Ce serait peut-être une bonne idée. Je dirais. Mais on va pas avoir assez. On va pas monter niveau 5 avec ça. Non, on va pas avoir assez. Il nous faudra encore peut-être le double de ce qu'on a là. Ah, et après, on ouais, on pourrait prendre la viande aussi de l'ours, c'est vrai. Hein. Vu qu'on a du bois de côté, ah, à la limite, on pourrait faire ça. Chasser l'ours. Chasser l'ours, tout simplement. Et l'ours nous donnera la viande nécessaire pour monter niveau 5. Et il nous donnera la peau. Ça me paraît une bonne idée. Ah, il y a les rails là-bas. Enfin non, il y a une sorte de pont, je crois, sur la droite. Ça doit sûrement descendre. Et nous, on pourrait mettre une corde pour directement descendre dans le ravin. Ah, on pourrait aller explorer là-bas. Genre là, là. Il y a un loup là-bas, ça a bougé. Non. Ouais, ça c'était le premier cadavre. On va rentrer. Ah, on pourrait faire ça. Ouais, je pense qu'on va faire ça demain. La chasse à l'ours, comme ça on s'en débarrasse en fait. C'est un peu le boulet en fait, le coup de l'ours. Plus tôt on le fait, mieux c'est, à cause du fait qu'il va falloir attendre genre 10 jours avant que ça sèche, cette saloperie de peau là. Donc je me dis que ça vaut peut-être le coup. On va faire ça. Si le temps est bon, on fera ça. On va récupérer... On va partir avec plein de bois. Et... on se goinfrera. Qu'on soit à 100% et tout ça. Et on fera l'ours. Très bien, il fait pas encore nuit. Ça, on pourrait prendre pour du cuir. Du cuir séché.
Qu'est-ce qu'on aurait à faire ici? Qu'est-ce qu'on a à faire ici? Non, rien, on peut aller se balader encore un peu. On pourrait aller installer la corde, hein. J'ai bien envie de tester, mais c'est que c'est loin en fait. C'est que c'est un peu loin. Non, on va pas le faire maintenant, ça serait débile. Ça serait complètement débile. C'est trop loin. J'ai bien envie de faire les... Oui. Je vais être honnête, j'ai bien envie de faire comment ça s'appelle? Ah là là, j'ai oublié les mots. Des flèches. J'ai bien envie de faire des flèches pour monter le niveau de l'archerie. Ah merde. On va voir si on peut pas les faire avant se coucher. Avant de se coucher. Ça peut être une bonne occasion. Qu'est-ce qu'on peut faire en 20 minutes? Pas grand chose. On va voir un peu notre roue. On peut faire des torches à 100% aussi. Parce qu'on a un peu de combustible de lampe et on a... Enfin, même un peu. Non, on a même ça. Là. On a du combustible sur nous? Ah oui, c'est vrai, on a trouvé ça. J'avais complètement oublié. Tiens, si on faisait un peu le... l'inventaire. C'est vrai qu'on a beaucoup de bois. On va en mettre 20 par terre, très bien. Ça, dans 8 minutes c'est prêt. Qu'est-ce qu'on a là? On a ça, on le mange. On a deux cafés. Les cafés on les garde sur nous, c'est sécurité. Il y a les chaussettes là qu'on pourrait coudre. Chaussettes de sport, j'espère qu'on va pouvoir les changer. Qu'est-ce qu'il nous faudrait aussi? Ah, je suis tellement content des... des cacherelles, je suis méga content. On en a beaucoup. On a les stimulants. On a encore des allumettes. On a un accélérant si jamais on a besoin. Le fagotin, on n'a pas besoin. Minutes et 30 minutes, je vais voir un peu qu'on rigole, ouais, ça sera pas assez. On est à 35 kg, c'est très bien. 35 kg c'est très bien. 20 minutes. Ok, on va aller faire des flèches. On va aller faire une flèche. J'ai peur qu'on perde la une viande. Peut-être perdre une viande. Ouais, c'est pas grave. Ok, 55 minutes, là on peut... là on peut le faire par contre. C'est bon. Elles ont pas le temps de brûler. Ah, très bien. Juste avant que le soleil se couche. Ah, parfait.
Parfait. Alors, on a une tempête juste maintenant, c'est bien parce qu'on va pouvoir, on va aller se coucher nous. Donc c'est très bien. Du coup, ça, vous savez, hein, les tempêtes, ça remet du bois par terre et tout ça. Donc vraiment cool, vraiment vraiment cool. Après, on ira à Milton. Plus tard. Ce sera aussi... Là-bas, Milton, ce sera le Club Med, honnêtement. Ce sera vraiment le Club Med, comparé à tout ce qu'on a vécu. Ah, 39 minutes. L'arche, ça va. Encore, je dirais, allez, 3-4 kills. 3-4 meurtres à l'arc et on passe niveau 5. Ah, très bien. Bon bah c'est bien, honnêtement on est bon bon bon. Hein. Bon bon bon, on a 1h30, 30 minutes. On n'a plus rien à faire cuire. 1h30. On peut coudre peut-être. On n'a qu'à coudre les chaussettes. J'utilise le kit de couture, mais c'est vrai qu'on peut utiliser les. Parce qu'on n'a pas très, on n'a pas récupéré de kit de couture, donc on pourrait utiliser à la place le fil. Le fil et l'hameçon. Bien, on pourrait détruire. Alors, je crois que c'est 1h30, non? Pour les détruire. Ouais, 1h30. Ça fait beaucoup quand même. Putain, quoique, on peut le faire, honnêtement. Ah, mais on va pas perdre l'eau. On va peut-être perdre l'eau. J'ai peur que là, au bout de 30 minutes, j'ai peur qu'elle soit, qu'elle s'évapore. Je suis pas trop sûr. Ah, mais on peut. Mec, à vers ça. Ah bah oui, on n'a qu'à faire ça tout simplement. Voilà, voilà. Donc ça c'est fait. Ne dites rien, ne dites rien. Ne dites strictement rien, s'il vous plaît. Merci. Le cuir, pas besoin de le prendre sur nous. Ça c'est bon. Je suis en train de faire un petit peu un inventaire un peu de ce qu'on a. Ça c'est bon. Ah c'est le bruit. Ah je sais qu'il fait froid. Le faiton on le laisse là. Ça c'est encore chaud. Bon bah c'est bon. On rentre et on dort. Ouais on est bon. Bon bah voilà. Épisode sympa. Hein. On a...
On a voulu chasser, on s'est fait quoi? Deux cerfs au final? On s'est fait deux cerfs, un loup, voire deux, on n'en a plus. On a fait cuire pas mal de choses, on a monté, ça va, on est presque, hein, on arrive hein, au niveau max. Et la prochaine fois, donc, comme j'ai dit, on va essayer de se faire l'ours. Donc, nous on est ici, donc le lac il est là, donc nous on va essayer, l'ours il est à peu près par là. Donc nous on va essayer peut-être de camper où c'est qu'il y avait la cabane de trappeur là, vous savez le petit avant-poste. Peut-être qu'on va se mettre là, on va genre ameuter. Bref, on va faire venir le, on va faire venir l'ours vers nous, comme ça nous on sera à l'abri, parce qu'il peut pas nous attraper en fait. On le tue. On prend plein de bois, parce qu'on a, on a mis plein de bois à l'abri. Et on fait un feu à côté de lui. On récupère en premier. En premier, c'est sa peau. On peut peut-être le découper, en fait. Et faire des sacs. Ah ouais, c'est peut-être une bonne idée, ça. Découper et faire des sacs. Comme ça, il y aura la peau par terre et directement les boyaux. Parce que je voudrais bien récupérer des boyaux aussi. On peut faire ça. On prend donc la peau, des boyaux. On prend un sac de viande. On rentre à l'abri. On dépasse, enfin on ouvre le sac, vous savez, et on fait cuire tout ça. Et du coup, avec de la chance, ça nous donnera le reste. Et comme ça, on aura plein de viande partout. C'est pas mal, plein de viande mangeable, c'est ça le truc. Ouais, c'est pas mal, comme... ok, je crois qu'on a un plan, là, on a un plan. Comme aujourd'hui, on va faire comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on avait le plan, c'est de faire à manger, de récupérer du cerf et de faire de la nourriture comestible. Ça s'est très bien passé. Et demain, on fera la même chose avec l'ours. Et on a un plan qui est bien. En plus, on est à 40 kg, donc faut en profiter. Car l'ours, ça va, ben, ça va peser lourd, hein, cette merde. Donc ouais, ça va être pas mal. Ok. On va dormir. 10 heures. Et on est bon. Et à la prochaine.